Chers compatriotes, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce jeudi 1er juin 2023 la Journée mondiale du lait. Cette journée est dédiée au lait par l'Organisation mondiale des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, pour informer et sensibiliser les populations sur l'importance de cette denrée dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée. Elle reste un événement fédérateur qui mobilise l'ensemble des acteurs de la filière laitière. La valorisation de ce produit contribue à renforcer davantage non seulement la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais également à intensifier la collaboration entre les différents segments de la filière, considérés comme un ensemble uni et complet. L'occasion me paraît alors opportune de porter un regard rétrospectif sur les initiatives publiques et privées en matière de développement de la chaîne de valeur du lait cru local et d'appeler à amener encore davantage des réflexions stratégiques pour l'émergence et le développement d'une véritable industrie laitière. Au Mali, le lait est consommé par toutes les couches sociales. Les habitudes alimentaires ont connu une évolution notable au cours de ces dernières décennies, du fait de l'accroissement rapide de la population et de la progression de l'urbanisation. Cependant, la consommation moyenne de lait dans notre pays stagne encore, autour de 30 litres par personne et par an, contre une moyenne de 62 litres par personne et par an, comme recommandé par la FAO. Notre production laitière reste très faible face à une demande en forte croissance. Aussi, le lait en poudre est devenu une denrée essentielle, mais dont le poids des importations pèse lourdement sur la balance commerciale. Le Mali importe chaque année pour 15 à 20 milliards de francs CFA de lait et produits laitiers pour couvrir les besoins de sa population. Au-delà du poids de la facture des importations, la qualité du lait acheté à l'extérieur pose également un véritable problème pour notre alimentation saine, car il s'agit généralement du lait enrichi par des matières grasses végétales. Pour inverser cette tendance, le gouvernement a adopté en novembre 2008 la stratégie de valorisation du lait cru local avec pour ambition d'accroître sensiblement la production locale, d'assurer l'accessibilité du lait local pour les industries de transformation et de réduire à terme la facture laitière. Au centre de cette stratégie, une grande place est donnée à la collecte et à la transformation du disponible laitier. Elle met également l'accent sur l'organisation des bassins laitiers à l'intérieur desquels la modernisation de la production laitière sera opérée. À ce jour, diverses actions sont menées sur le terrain en rapport avec les professionnels et les partenaires techniques et financiers qui ont contribué significativement à l'augmentation de l'offre et de l'accessibilité des populations au lait et aux produits laitiers, à l'accroissement des revenus des exploitants agricoles et à la réduction de la pauvreté. Chers compatriotes, l'un des piliers essentiels de la politique de modernisation mise en place par le gouvernement est l'amélioration du potentiel génétique des animaux à travers la pratique de l'insémination artificielle. La diffusion à grande échelle de cette biotechnologie à travers la mise en place des unités de diffusion dans les bassins laitiers de production a permis de réaliser de 2015 à 2022
plus de 70 000 inséminations chez les bovins avec plus de 30 000 croisés nés de ces opérations. Ces actions ont permis d'améliorer le rendement laitier des races locales à travers le croisement avec les races exotiques et d'augmenter la disponibilité en lait dans les zones périurbaines de nos grandes villes. Ces efforts seront poursuivis et renforcés dans les années à venir afin d'assurer à la population malienne une consommation moyenne de 44 litres de lait par habitant et par an à travers le financement de la seconde phase du projet de valorisation de la production laitière au Mali. Chers compatriotes, la commémoration de la 18e édition de la Journée mondiale du lait est placée sous le thème « Le lait cru local, facteur de développement, enjeux et perspectives ». Le choix de ce thème se justifie d'une part par l'importance du lait dans l'économie des ménages et la nécessité de mobiliser davantage des ressources dédiées à la promotion des chaînes de valeur du lait local et d'autre part en vue d'améliorer l'offre et la qualité des produits offerts à la consommation. La commémoration du 1er juin, Journée mondiale du lait dans notre pays, se tient dans un contexte particulièrement difficile, marqué par une crise sécuritaire persistante, affectant les éleveurs et le cheptel, des mutations profondes au niveau des systèmes pastoraux dus aux changements climatiques, écologiques et socio-économiques. Je voudrais ici lancer un appel à tous les acteurs pour plus de cohésion et de synergie d'action pour consolider la stabilité sociale, le vivre ensemble et préserver notre capital cheptel. Mon département réaffirme son engagement sans faille et son appui constant pour faire avancer la cause du lait local et conforter notre statut de leader dans le domaine dans l'espace ouest africain. Les multiples projets et programmes dans le sous-secteur de l'élevage en exécution par mes services techniques en collaboration avec les partenaires au développement témoigne éloquemment cette politique volontariste. Je voudrais, avant de terminer, adresser mes vifs remerciements à tous les acteurs intervenant dans la filière lait, au collectif des professionnels de l'élevage en général et à ceux de la filière lait en particulier pour leur mobilisation et leur contribution précieuse à l'organisation des activités de la présente édition. Je souhaite plein succès à la Journée mondiale du lait. Que Dieu bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie pour votre aimable attention.